Ben bon match. Bon match. Comme depuis le début, hein. Beaucoup de prestance et beaucoup de plaisir à jouer aussi. Hein. Allez, ça passe par là. Allez, bon, c'est parti. Bravo, bravo, allez. Donc peut-être que derrière ton service, si tu as l'occasion de venir avec, plus avec ton pivot, et en plus ça t'oblige à t'engager un peu plus dans le jeu. Hein ? Ça c'est vraiment un point clé. Et là je pense qu'il va falloir, surtout dans les moments de difficulté, aller puiser dans l'agressivité. Hein ? Faut que tu aies de la fluidité physiquement, mais de l'agressivité mentalement. Hein ? Allez maman, on y va là, allez ! Simon était venu ici pour gagner un titre, donc c'est pas un bilan positif malheureusement. Ça fait partie aussi du sport, il joue pas tout seul, il y a d'autres adversaires qui sont là, qui savent jouer au tennis de table. Donc une déception, voilà. Parallèlement à ça, je crois qu'il y a des enseignements à tirer. La première chose, c'est que c'est difficile pour lui pour l'instant d'asseoir son statut. Il est aujourd'hui 14 mondial. Il a sur le plan international, on va dire, mis à part Emmanuel Le Besson, des résultats qui sont bien plus probants que ses concurrents aujourd'hui au championnat de France. Il y a aussi une densité importante en France avec de nombreux joueurs qui ont un bon niveau. On savait en arrivant ici que Simon pouvait perdre 10-12 joueurs dans la compétition s'il ne jouait pas son meilleur tennis de table. Ça s'est passé contre un très bon Alexandre Robineau ce matin. Voilà, il va falloir travailler pour capitaliser sur la confiance en soi et puis ce qu'il est capable de réaliser sur le plan international. Il faut aussi qu'il puisse s'en servir quand il joue contre des adversaires a priori qui n'ont pas tout à fait le même statut. Avec mes capacités d'aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu. Alexandre me pose pas mal de problèmes. Il a encore très mieux joué aujourd'hui. Et voilà, c'est des regrets, mais bon. Enfin, je suis déçu, mais voilà, j'ai pas de regrets justement. Chaque défaite, elle nous apporte des leçons, à nous de les retenir. Parce que il me pose des soucis, c'est un fait, mais il faut que je travaille sur ce système de jeu-là. Un joueur qui va vite en revers, qui prend la balle assez tôt, ça me pose toujours de temps en temps des soucis, donc il va falloir apprendre aujourd'hui. Je crois que c'est aussi important d'avoir une vision globale. Aujourd'hui, c'est une compétition qui n'est pas réussie, malgré qu'on ait mis beaucoup de cœur. Ceci étant dit, la route du haut niveau, c'est un chemin qui est long. Simon est en train d'évoluer sur de nombreux points, que ce soit au niveau technique, au niveau physique et particulièrement au niveau mental aussi. Donc il faut qu'il continue tous ses efforts, mais je n'ai pas de doute que pour ça, il a beaucoup de volonté. Et on va prendre les prochaines étapes pas à pas.